Il est déjà 7h dans tout studio de télévision nationale d'Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter vos édition nouvelle. C'est là. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité à partir 7 février 2018, la caravane en changement a opéré dans tout le pays d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse fait lancement officiel là hier mercredi. Plusieurs citoyens dans le pays ont dit reconnaître le travail chef l'État a réalisé dans tête pays dans le cadre de caravane en changement. Une équipe de télévision nationale d'Haïti a réalisé un micro-trottoir dans l'occasion du premier anniversaire président Jovenel Moïse dans tête pays. Et puis, magistrat Kouadebouke à Rony Collin, ensemble avec sénateur l'Ouest, Jean-Renel, sénatus, posé premier roche construction yon sous-commissariat police à yon place publique dans Carrefour Marassa, à yon mercredi 7 février. Travail sa yon doit démarrer matin là. Et puis, à l'étranger, c'est officiel, élection présidentielle dans le pays Venezuela a déroulé 22 avril à Cap Vinila. Président Nicolas Maduro espère joindre un autre mandat, alors que l'opposition politique a beaucoup dit à clair s'il a participé à l'élection Sayo. C'est pour Sayo, à quelques autres, n'a pas pour le journal là, n'a pas de pas déplacer, n'a pas à l'heure. Merci pour fidélité ou à l'attention à l'édition nouvelle. C'est là, nous retournons pour développement information. Yo. Yon cérémonie salutation déroulée dans le Palais national hier mercredi 7 février, dans l'occasion premier anniversaire mandat président de la République, la Jovenel Moïse, sous pouvoir. Cérémonie ça, c'était occasion pour personnel administratif Palais, avec plusieurs recadres dans l'administration publique, là, féliciter chef l'État pour l'année 2017 qui saute à passer. Collaborateur nous, Sabine Jean-Étienne, avec Général Duvernay, à dire nous plus. C'est dans une ambiance très cordiale, président républicain Jovenel Moïse, première dame républicaine Martine Moïse et premier ministre Jacques-Guy Lafontaine recevoir salutation magistrats différentes communes département l'Ouest là avec au cadre dans palais national parmi eux conseiller chef l'état membre cabinet secrétariat général et personnel administratif là cérémonie salutation ça a déroulé dans occasion yon l'année président Jovenel Moïse sous pouvoir. Yon l'année depuis te prêté serment pour le bien mener bak pays a. C'est occasion pour au cadre palais a féliciter coupe présidentielle là pour l'année ça qui passé a et puis souhaiter yo bon courage pour 4 l'année k'ap vini yo. Et Jean nous te dit dans grand titre caravane en changement lancé officiellement hier mercredi 7 février 2018 là dans Port-au-Prince. Activité ça tombé bab pour baba ak célébration premier l'année président République Jovenel Moïse dans tête pays. Dans occasion ça chef l'état remet yolo équipement ba direction travaux publics transport et communication dans département l'ouest là qui prend service dans différents communes dans l'ouest pays. Cérémonie pour remettre matériel ça yo déroulé en présence première dame république la Martine Moïse plusieurs magistrats dans département l'ouest là à quelques parlementaires Sabine Jaitienne avec Général Duvernay à dire plus. Équipement Sayo pral joindre toutes 20 communes département l'Ouest là pour exécuter différents chantiers caravane changement. Remise matériel Sayo fait en présence magistrat département l'Ouest yo qui pas caché satisfaction yo dès que finalement caravane entrée officiellement dans capitale là. Nous voulons
remercier le président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, remercier PM nan et tout gouvernement qui jodi a pral procéder à un geste symbolique mais au combien important pour avenir collectivité yo. Nous tout ouais état Vilio, état Carrefour, état Port-au-Prince, état Cité Soleil, état Tabac, état Croix des Bouquets, état toute communion et nanon magistrat yo, nous reconnaître que c'est un geste assez important, un pas assez déterminant dans renforcement capacité d'opération communion en particulier communes en métropolitaine yo. Ministre intérieur nous remercie pour coordination que li fait avec nous dans mairie nous té là matin et nous prend engagement pour nous faire bon usage de matériel ça yo pour nous continuer bataille contre fatra parce que comme magistrat, comme responsable communal, comme dirigeant dans le pays, nous n'avons pas gagné aucune fierté si nous quittons Vilio aussi sale. Dans le département de l'Ouest, l'objectif de la caravane, c'est changer figure de capital, là, et spécialement dans la question assainissement. Le président républicain Jovenel Moïse fait connaître qu'il est temps pour tout Haïtien mettre ensemble pour faire le pays à belle, quel qu'en soit parti politique, ou soit religion, ou groupe social. Le dialogue national là, a touché tout secteur. D'après chef l'État. Département l'Ouest, vous avez trois bulldozers, donc un gros bulldozer, nous avons campé là, nous avons deux. Vous avez trois comme ça. Département l'Ouest, vous avez l'autre bulldozer qui est petit marre là, qui est en exposition. Vous avez un bulldozer de 6 à 10 qui est petit parce que gros ça. Département l'Ouest, vous avez sous camion, il y a déjà son département qui a presque 50 camions. Bascule, les bois gagnent près de 12 camions, 9, 8 camions, bascule, les bois gagnent 2 camions citernes et 2 camions qui vont transporter l'équipement. Département l'Ouest, bois gagnent en quantité de pick-up, donc pick-up 4x4 nouvelle là, pour ingénieurs topographiques qui ont déplacé, ingénieurs qui ont joué une possibilité pour y aller travailler. Pour y aller travailler dans la route, qui relie Konyo avec Kafoukana. Pour y aller travailler dans la route qui sortit 15 coffres en passant par Belo, passer par la boule 12, descendre, prendre Kafou, pour aller tomber juste Grécier. Parce que la route ça n'a pas fait. L'homme monde saute dans le sud, les bruits de Grécier, sous le Thomasin, ou capable obligé de passer dans la route Kafou en passant. La route ça n'a pas fait. Département l'Ouest là. Nous parlons de travail pour que toute rue dans la zone métropolitaine, nous voulons parler de 9 communes qui sont dans la zone métropolitaine, et plus particulièrement, route, rue qui est dans la ville Port-au-Prince, à côté de nous. Mairie Port-au-Prince, pour recevoir 2 compressifs, ça nous connaît dans le gros langage créole, la camion Fatra. Deux camions bascule ont l'odeur pour changer Figui ville Port-au-Prince. Mairie Bétionville va recevoir un compressif. Mairie Tabac va recevoir un compressif. Mais ça, c'est au bout qu'on est pour autant de bouillir. Parce que d'ici début mois-mai, équipement est commandé depuis le mois de septembre. Mais au bon temps pour construire. Nous avons 50 compressifs qui sont entrés dans le pays. Ça veut dire toute commune. Dans le pays d'Haïti, on parle de gros communes, côté qui fait un pile fatra, il y a toute la possibilité pour gagner équipement. Même si ça arrive fait dans le Cap Haïtien, il n'y a pas le fait pour Villocay, Villinche, Ville-Mibale, Gonaïve, Saint-Marc, toutes les villes, Miragouane, Tigouave, Léogane, pour Jacmel, Jérémy. Pays avant pile temps, la tonne. C'est pour ça hier. Nous commençons le travail sur les affaires État généraux sectoriels nation. Nous réunissons toute tendance politique, tout le monde net, pour nous citer sur la même table, pour nous commencer aujourd'hui à parler de problèmes pays. Parce que problème pays, ce n'est pas route seulement, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'environnement. Problème fondamental pays, c'est nous yon pas la clotte, là, c'est le plus gros problème pays aujourd'hui. Désormais, à partir du jour mercredi 7 février 2018, là,
Tout côté passé dans le pays a après chantier à travers caravane changement. Pendant reste semaine, chef l'État a continué à distribuer flotte équipement comme ça dans quatre autres départements qui peuvent recevoir matériel, tant que Sud-Est, NIP, Sud et Grand-Est. Toujours dans le cadre anniversaire, il y a l'année depuis le président Jovenel Moïse sous au pouvoir, une équipe de télévision nationale d'Haïti réalisée à Yon Mikoto 3 en nous suivant l'opinion citoyenne sur la réalisation chef l'État dans le pays. Plusieurs monde dans la population estimé pendant la première année président Jovenel Moïse sous pouvoir divers travaux déjà réalisés dans le domaine de l'agriculture, construction de route et l'autre encore. Je félicite chef l'État pour le caravane changement qui lance dans tout le pays. Jodi en fait président un an, donc moi président vraiment vrai, président Jovenel, son président qui travaille. D'après moi-même, moi président qui travaille. Donc, je passe dans quelques départements, dans quelques départements au CAI, moi président vraiment sud, moi président vraiment président qui travaille. C'est un bel bagage parce que le matériel ça, en plus le route pour le fait. Je suis content ça, mais je félicite le président parce que nous avons un peu de matériel à avancer dans le pays, un peu de bagaille pour le fait. Moi, je suis caravane à bien déroulé là jusqu'à présent. Si tu es dans une zone provinciale, le caille, la tibonite, moi, j'ai un peu de changement vraiment. Une autre catégorie de monde dans la population souhaitait l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine mettre plus de moyens pour faciliter la création de travail dans le pays. Salut, président Jovenel, qui a fait un bel travail, qui est là. Mais passager n'est ça citoyen sa yo k'ap suiv évolution politique là lancé appel bon côté secteur concerné yo pour mettre ensemble ak administration Moïse lan pour avancement pays d'Haïti. Bureau député circonscription Kouadebouquea Jean Wilier Jean lancé mercredi 7 février travail à construction tronçon route Bellefontaine 1 D ak 3. Route ça qui a passé Tibé, Doué, Metebout à difficulté moun Bellefontaine qui est situé dans le département l'Ouest là. On nous souvient extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Olbrich. Nous vini pour nous faire un lancement officiel route ça qui va commencer et c'est route ça tout qui va permettre au moins nous surtout traverser ou encore prendre les trois Bellefontaine premier, deuxième et troisième Bellefontaine, je dis à là, et c'est vrai, nous commençons d'abord avec route là, vu que nous connaissons, nous te mettons COP dans le budget pour route ça, c'est vrai, COP là pas suffit, mais nous même nous prenons continuer à faire bataille là, surtout avec le président, nous connaissons qui remet, et population crucienne en pile, et qui apporte support, surtout avec caravane là. Et nous même nous démarrer juste avant la présidence ou encore président de la République a commencé avec caravane dans l'Ouest. Mais nous même nous commençons parce que nous, c'est amis, nous, c'est vrai, nous, c'est toute une équipe. Bon, c'est équipe là, gens qui ont fait, nous avons commencé à faire l'encourage canoë et nous avons commencé à faire dans d'autres activités ou encore dans la zone. Non. Mais je dis à là, c'est dans la route là nous commençons, nous faisons dans l'école, nous faisons dans l'autre domaine. Mais je dis à ces routes-là, c'est important pour nous. Moun Tubé pour commencer à long souffle. Moun Bellefontaine, yo pour commencer à long souffle. Premier, deuxième, troisième Bellefontaine. Je dis à là, je pense que nous poser première pierre là, côté tout le monde pour reconnaître. Nous pas besoin de passer par Jacques Mel encore pour aller deuxième Bellefontaine. Nous pas besoin de passer par Kinskoff for Jacques encore pour aller troisième Bellefontaine. Je dis à là, la caille nous. Nous lancer route là, nous pensons jodi à la lité important et même indispensable pour pousser ça cap manger moun Tubé, cap manger moun Bellefontaine, moun premier, deuxième, troisième Bellefontaine et n'a dit moun Kouachi yo pas besoin peur, nous sou yo l'autre semaine, moun Orange yo nous sou yo l'autre semaine. Après tenant même si j'ai là coordonnateur Kazek premier Bellefontaine nan dormi pétition exprimer satisfaction li pour lancement travail construction route ça. Domé Pétion expliquait tout en denrées habitants yo gaspillé à cause pas de route pour transporter yo aller dans marché. Toujours dans micro Fidney confident ak Moïse Rubich. Isabelle Fontaine nous jodi an c'est un rêve lié et li réalisé parce que peuple Bellefontaine là on parle toujours du plus gros problème yo malgré yo gè l'autre problème manqué pas gè l'école pas gè centre de santé pas gè marché mais plus gros problème là c'est route lié.
Et là, il y a un problème, il y a un enfant mal enfant. Non, maintenant, il faut nous mettre sous cadre pour nous obliger à courir avec lui, pour nous vider descendre avec lui. Non, tout le monde laisse à l'fin pour être trop fatigué. Mais je dis, à coup de Bellefontaine qui parle fête là, ça c'est une grosse bataille liée. Koulia Mounio, Léo Malanfo Koulia, nous avons joué une route exactement et nous avons descendre et nous avons venir prendre soin. Et je dis, et nous remercions honorable les députés Jean-Willet Jean, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a bataille en tant qu'équipe. Et je dis, Revlant l'y réalise. Et nous croyons tout le monde Bellefontaine. Je dis, c'est une grande joie lié pour eux. Après poursuivre avec information et nous dit dans grand titre magistrat principal la Croix des Bouquets Ronnie Colin ensemble avec sénateur Ouest la Jean-Wenel sénateur sans poser premier roche construction yon sous-commissariat police ak yon place publique dans Kafou Marassa mercredi 7 février 2018 là. Responsable annoncé travail ça a démarré matin jeudi 8 février l'a duré 6 mois. En nous souvient un reportage avec Richardson Jourdan et puis Michel Joseph. Travail construction sous commissariat Kafou Marassa à place publique là a démarré jeudi 8 février. C'est film construction Tritaco qui a mission pour réaliser projet ça qui a duré 6 mois d'après initiateur projet ya sous commissariat à place publique tout neuf qui a gain pour fête dans Kafou Marassa. De lever visage commune là qui trouvait dans un mauvais état d'après premier citoyen Croix des Bouquets magistrat Ronnie Colin. La famille Mez qui bat nous terrain ça pour mairie Croix des Bouquets. Après moi informé sénateur moi mettez le courant et comme sénateur l'ouest et puis c'est un monde qui saute là en zone Croix des Bouquets tout et lui même lui mettait toute force lui toute courage pour lui capable permettre jodia nous vinn faire une pose de première pierre sur un sous-commissariat avec une place publique côté toute population chrétienne d'Adaptan parce que l'on prend exemple Croix des Bouquets Kafou Marassa qui ont pas d'entrée ça veut dire sur une route internationale. Je dis à nous remercier et sénateur sénatrice parce que nous obligé rendre hommage à lui même parce que toute décision ça yo tout ça yo dépend de lui même nous obligé retourner ça à lui même parce que premièrement c'est lui même qui vient avec idée et lui encourager pour m'écrire les mes qui mettait terrain disponible et puis ensuite lui-même il cherchait fond mettait l'ambidia pour permettre projet ça vienne en réalité aujourd'hui. Sénateur l'Ouest Jean-Renel Sénatus exprime satisfaction pour projet ça qui pourra réaliser dans Kafou Marassa. D'après parlementaire, il pas normal pour un série monde faire Kafou ça tourner un dépôt fatra par rapport à importance zone ça gagner pour divers monde qui connent fréquenter. C'est raison ça qui fait lui-même avec magistrat Ronnie Colin engagé yo pour permettre le projet ça abouti. Ça, Kafou Marassa te représente avec Fatra. Nous disons pas qu'à quitter le conseil, il faut que nous travaillions pour nous garder comment nous sommes capables de jouer le fonds, bailler la mairie pour nous capables de développer un projet capable de sembler avec nous, Croix des Bouquets. Nous tous connaissons Croix des Bouquets te représente dans le temps. Et je dis à Croix des Bouquets, ça lié à, faut que nous-mêmes, qui sommes dirigeants, nous avons dit non et changer l'orientation Croix des Bouquets. Nous venons là aujourd'hui pour nous faire pose de première pierre pour une place publique. Nous avons marié la place publique là avec un sous-commissariat. Parce que nous estimons chaque après-midi, il y a minimum 5 à 10 000 personnes qui transitent dans Kafou Marassa, soit Kwal Gantier, Tomazo ou bien Kwal Lila Voix Bon Repos. Alors que ici, c'est un porte d'entrée et de sortie lié pour Tabar, pour Gantier, Cornillon, Fond Verrette, Fond Parisien, Tomazo, etc. Pour la République Dominicaine. Qui se voisin nous disons pas qu'à quitter là comme une poubelle. Nous pas qu'à quitter comme un pot qui charge avec Fatra. Nous avons changé, nous avons mis fleurs, nous avons mis loisirs pour les jeunes, nous avons mis sécurité avec un sous-commissariat qui a sécurisé les gens pour nous avancer. C'est le gouvernement haïtien à travers le trésor public qui a financé le projet ça pour une valeur de 7 millions de gouttes. Merci Richardson Jourdan ak Michel Joseph. Dans l'objectif pour permettre à la population de gagner une idée sur la façon dont la réception et livraison de documents d'identité a fonctionné, une équipe de la Télévision nationale d'Haïti a fait un coup de pied dans le centre qui se trouve dans Pétionville hier mercredi 7 février 2018. La. Rachel Sefort et Claude Ali Jean-Jacques a dit non plus. Service Office National Identification dans centre réception et livraison document identité Pétionville là a bien marché.
d'après un technicien donné en service ça à Alain Bellevue. Selon témoignage technicien, on y offre de service dans ce sens, une condoléance avec un autre pour enregistrement. Bonjour, nous allons recevoir 300 à 400 personnes par jour. Vous comprenez? Alors nous avons deux services là, qui sont service enregistrement et service doléance. Doléance, normalement, c'est les gens qui font le code, surtout les gens qui renouvellent le code. Les gens qui font le renouvellement, le bon service là, il faut que nous pour valider l'ancienne code, c'est nous qui comparer. Ancienne carte là à nouvelle carte devine faire pour nous valider pour gagner accès à nouvelle carte ça. Quelques citoyens qui devine chercher service dans ces LDI Pétionville là dit yo remarqué un vide dans système là qui méritait combler selon témoignage yo pour faciliter plus monde jeune service. Gè quelques autres qui dit yo content pour gens yo recevoir yo. J'ai carte là pour me gagner. Dit quoi que l'aime sorti. Dernier que je me devais pour m'afficher qu'on y a plus ouais. Plus ouais, pas trop vagabond. C'est un monde qui veut faire carte électorale. Ok, bon. Moi, le service là marche très bien. Un bon service, vous comprenez, parce que je suis une personne âgée. J'ai la priorité sur tout le monde. Je suppose quand même que c'est une bonne chose. Quelques responsables avec monde qui devine faire au snow chercher documents d'identité dans ces LDI Pétionville là souhaiter autorité concernée augmenter capacité à caisse centrale pour faciliter plus monde gain documents d'identité. De l'autre côté, ils ont encouragé plus discipline dans l'union pour faciliter bon déroulement activité dans centre ça. Autorité dans consulat général République dominicaine dans Port-au-Prince porter précision sur information qui t'a fait connaître prévise à dominicain yo augmenté. César Antonio Cuevas Pérez expliquer c'est pas prévise qui augmenté. C'est plutôt obligation de faire chaque monde pour payer service assurance qui coûte $150 américains qui ajouté sur prix visa. Diplomate dominicain avancé pour dire assurance moun yo paye ba tout avantage et c'est pas seulement haïtien qui honoré obligation si là. À partir du 1er février de cette année, on a passé un accord avec une société d'assurance privée, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères dominicain a passé cet accord. Et pour les services de cette assurance migratoire, on a mis un coût de $150 qui doit être payé au moment de la délivrance du visa, d'avoir inséré des services médicaux, même des patrimoines de funéraires dans les cas, malheureusement, d'un touriste, un commerçant, un visiteur de la République dominicaine, qui soit décédé, avoir un accident quelconque, la répatriation était assurée. Pour tous les étrangers qui auront besoin de visa pour passer en République dominicaine, les Haïtiens avec des visas nord-américaines, des visas canadiennes ou de Schengen n'ont pas besoin de visa de l'assurance. Parce qu'ils ne doivent pas passer pour le consulat pour obtenir son visa. Ça, c'est une affaire qui se résout au niveau de la frontière. C'est-à-dire, il achète une carte de tourisme, ça passe. Ça peut sortir pour l'aéroport, le retour, il peut revenir et acheter un autre carte de tourisme, c'est tout. Mais pour ceux qui font venir chez nous ou un des quatre consulats que nous avons dans les territoires haïtiens, pour chaque visa qui ont fait les demandes multiples, il faut avoir d'abord l'assurance migratoire. N'a faut quitter la caille non pour aller à l'étranger particulièrement dans pays Venezuela puisque président vénézuélien Nicolas Maduro espère joindre l'autre mandat dans tel pays ça dans cadre élection présidentielle qui prévoit fête 22 avril qu'a venir là. Euronews pour plus de détails. Le président Nicolas Maduro va briguer un nouveau mandat à la tête du Venezuela. L'élection a été officiellement fixée au 22 avril. L'annonce intervient malgré l'échec des négociations entre le gouvernement et l'opposition sur les modalités de ce scrutin. Malgré un taux d'impopularité mesuré à 70%, Maduro a de bonnes chances d'être réélu.
Tout matin là, au secours, après à poursuivre recherche pour si au TK joine rescapé toujours en bas des combats après tremblement de terre 6.4 qui frappé Taïwan mardi passé. Dernier bilan au bail, 10 monde perdu la vie et puis plus passé 250 sortis blessés. Euronews pour plus de détails. Les répliques continuent de secouer Taïwan et les secouristes poursuivent leurs efforts pour retrouver une soixantaine de disparus dans les décombres de la ville de Hualien. Le bilan des victimes est en hausse, 10 morts et plus de 250 blessés. Sous l'effet du tremblement de terre mardi soir, les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés sur eux-mêmes, laissant la structure inclinée à 50 degrés. Un immeuble qui menace de s'effondrer à tout moment. À chaque réplique, les sauveteurs évacuent rapidement l'édifice. Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent et le bilan des victimes pourrait donc drastiquement augmenter. La présidente de Taïwan s'est rendue sur place. Hier, les techniques de construction pourraient être remises en cause, comme il y a 2 ans, lors d'un tremblement de terre dans le sud-ouest de l'île. Et c'est ce dernier information, ça n'a mis un bout dans le journal là, avant nous aller permettre que nous rappelions le grand point qui dominait l'actualité. À partir du 7 février, caravane changement a opéré dans tout le pays. Président de la République, Jovenel Moïse, a fait lancement officiel hier, mercredi. Plusieurs citoyens reconnaissent le travail du président de la République, Jovenel Moïse, a réalisé dans le pays dans le cadre de la caravane changement. Une équipe de télévision nationale d'Haïti a réalisé un micro-trottoir dans l'occasion premier anniversaire président de la République là sous pouvoir. Magistrat Kwade Boukéa, Ronnie Coulin, ensemble avec sénateur l'Ouest, Jean-Renel, sénateur, posé premier roche construction yon sous-commissariat police avec yon place publique dans Carrefour Marassa, hier mercredi 7 février. C'est matin là, travail doit démarrer d'après sénateur. Et puis à l'étranger, c'est officiel élection présidentielle dans le pays Venezuela qui a déroulé 22 avril qui a venu là. Président Nicolas Maduro espère jouer un autre mandat alors que l'opposition politique là pour qu'on dit à clé c'est la participer ou pas dans l'élection Sayo. Il est déjà 7h30, il arrive un moment pour nous capables aller nous t'es content ensemble avec vous pour être capable informer vous. Il était seulement pour nous capables souhaiter passer une très bonne journée. Sous télévision nationale d'Haïti, rendez-vous, c'est demain matin, vendredi, pour dernier sorti nous pour semaine.